Alors bonsoir, je m'appelle Honorine, je suis entraîneur à l'AFB depuis 2 ans maintenant. J'entraîne les Benjamin filles et je suis également responsable de l'école de mini basket. Alors ce soir, ça a été un match très serré, victoire d'un point d'écart de l'équipe AFB. Donc c'était un match très intense. Votre sentiment sur le match ? Elles l'ont fait. Elles ont eu les tripes, elles sont allées le chercher, je pensais pas. Et en fait, ça fait 2 fois déjà qu'on perd contre elles, qu'elles voulaient le gagner, donc elles sont allées le chercher. Et c'est un moment où vous n'y croyez plus ? Jamais. Je connais mon équipe, elles sont comme moi. Moi, je suis toute seule, déjà je suis dans l'équipe, je motivais tout le monde. Elles sont 10 comme moi, elles peuvent se motiver. Et est-ce que cette victoire est très importante pour le championnat ? Cette victoire est très importante pour le championnat car on repasse première ex aequo avec l'équipe que nous venons de gagner. Et on ne sait pas encore si ça va être un goal average direct ou un goal average à points, mais si c'est à points, on est championne et donc on est très contente. Qu'est-ce que ça signifie pour les Benjamin si elles arrivent premières ? Ça signifie qu'elles croiront en ce qu'on fait depuis 2 ans. Donc qu'elles verront la continuité. L'année dernière, déjà, on était championne du 93, championne de la Coupe. Donc elles verront la continuité, qu'elles le méritaient. Donc vous voyez en elles quelques futures championnes. Oui, c'est l'espoir. C'est l'espoir de l'année. Il y en a certaines, même dans l'équipe, qui font plusieurs sports, qui excellent dans tous les sports qu'elles font. Voilà, on sait déjà qu'elles vont jouer en pro, on le sait. Est-ce que vous avez un message à faire passer à mondonnée.com sur le basket, sur votre passion en général ? Juste inscrivez-vous, moi j'attends le maximum de filles, inscrivez-vous et on fera tout ce qu'on peut ensemble. Merci bien.